Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Sisma et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit subreddit qui est bien drôle, qui s'appelle comme ça. Si vous aimez les trucs bizarres les amis, vous êtes dans le bon endroit. Ici, il n'y a que des trucs bizarres. Donc, c'est parti, on commence par le premier subreddit. C'est quoi ça? Oh, imaginons que c'est vrai, que ce dessin animé là, il est vraiment vraiment bizarre. Parce que j'ai oublié comment il s'appelle déjà, j'ai oublié, écrivez-le moi en commentaire. Ça, niveau bizarrerie, on est à 10 millions, parce que là c'est vraiment bizarre. Un pigeon, derrière, devant, oh c'est bizarre. En même temps, j'aimerais bien le voir un jour, dans le métro. Mais je le porterai pas, parce que je porte pas de talent. Oh, fuck. Et ça les gars, je sais pas ce que c'est. Ah, déjà je peux pas mettre mon visage dans un truc gluant, dans un truc genre huileux, tout ça. Ah, mais je sais pas si c'est vrai ou c'est un montage, mais le visage du mec nous montre mon ressenti. Non, 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 non. Ah ah, donc si t'appuies sur le petit bouton qui est juste là au milieu, il se passe quoi? Ah bon, c'est pas en zap. Cette photo, les amis, elle veut dire beaucoup de choses. Elle veut vraiment dire beaucoup de choses, parce que dans la vie, tu peux galérer, vraiment galérer, galérer, mais enfin réussir à ce que tu voulais faire. Donc là, comme on a vu, il a bien, bien, bien galéré. Au final, il a réussi à atteindre son objectif et de se garer. La vie, elle est un peu comme cette photo. Dites-vous que cette photo, elle résume un peu la vie. Je sais pas comment vous la voyez, dites-moi en commentaire comment vous voyez cette photo. Et abonnez-vous déjà, je pense, ça veut dire abonnez-vous. Cette photo, ça veut dire beaucoup de choses pour moi, ça veut dire qu'il faut toujours y croire, les amis. Ah, ça m'arrive, mais laisse tomber, hein, ça m'arrive, c'est dur, c'est vraiment dur. Heureusement qu'il se fait attraper ici avant qu'il rentre, parce que s'il rentre, il aurait fait de ravages, il aurait bouffé tous les câbles. Je pense que c'est cool déjà qu'il soit là, parce que là, tu peux juste l'enlever comme ça, le jeter, que s'il rentre à l'intérieur, il va tout tuer. Déjà que l'ordi, il est un peu plus ou moins mort, mais je pense qu'il peut fonctionner quand même. Un peu de. Comme ça, t'enlèves un peu de poussière, mon ami, il faut s'en occuper. Et je pense que le piège il est bon. La souris elle est morte avant le drame. Et on passe à la photo suivante. Cette photo, elle veut tout dire aussi, je vous explique. Là on voit que le petit il est très heureux. Mais je sais pas si son bonheur va durer longtemps, parce qu'il y a le camion juste au fond. Et si le camion vient, là c'est grave. Et que ce qui me choque le plus, c'est le policier qui est là. Il fait comme ça, en mode regardez-le. Et ce qui me choque un peu le moins, ben rien, en fait tout est choquant. Le gosse où il joue, de 1, après il a le droit d'être heureux, c'est que de la pluie, hein, c'est pas dégueulasse, hein. Les gens qui vont dire ah non c'est dégueulasse, c'est de la pluie, c'est propre, hein. J'ai déjà nagé dans la Seine, me jugez pas. Et abonnez-vous. C'est très important de nourrir vos enfants, vraiment très important de les faire boire pour qu'ils soient toujours hydratés. Mais bien hydratés, là, il est hydraté pour des années là, jusqu'à ses 25 ans. Et ça, c'est vraiment bizarre parce qu'on sait pas comment ça tient. Je vous laisse deviner, dites-moi en commentaire déjà comment ça tient, c'est bizarre. Et on dirait moi à la plage, parce que moi non, moi je fais pas ça, hein. Mais moi à la plage je déteste porter des trucs. Mais déjà en général je déteste porter des trucs, j'ai toujours un sac à dos parce que j'aime bien avoir les mains libres tout le temps. Mais vraiment, j'adore ça, j'aime même dites-vous que les sacs de course, j'aime pas ça. Enfin, après je fais pas des courses en sac à dos, mais en gros, quand je sors, jamais... les mains occupées, tout ça, toujours les mains libres. On sait pas ce qu'on fait avec. Mais là, ok, j'aime bien avoir les mains libres, mais pas à ce point, quand même. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Juste ici, les amis, c'est du PQ en laine. Ou je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est de la laine. Ça doit être surtout de la laine. C'est ce genre de truc qui gratte, tout ça. Mais je pense que c'est écologique pour les écolos. N'hésitez pas à vous acheter ça. C'est vraiment écologique, c'est très bien pour la planète. C'est lavable. Mais bon courage, hein, ça doit faire mal. Et là, dans cette photo, il y a rien qui nous choque. De toute façon, j'ai pas le droit d'être choqué parce que je vais me faire attaquer par je sais pas qui. Mais chacun pisse comme il veut. Le chemin vers l'enfer. Cette photo, il y en a plein qui vont la comprendre. Et c'est pas fini. Cette photo elle est bien bien drôle parce que là on est dans un urinoir et il y a un microscope. C'est normalement tu peux pisser et regarder, je sais pas pourquoi il y a un microscope. On est où? On est où pour avoir un microscope carrément? Genre on va rien voir s'il n'y a pas de microscope. Genre pour bien viser, je sais pas. Dites-moi en commentaire. Ça c'est le genre de jouet qu'on était petit, j'adorais. J'ai oublié comment ça s'appelle. Rappelez-moi les gars en commentaire s'il vous plaît. Rappelez-moi comment ça s'appelle, j'ai oublié. Mais maintenant ça me fait peur. Je pense quand j'étais petit j'aimais bien, mais là ça me fait peur. En vrai, je vais pas vous mentir, hein, mais les chihuahuas, je les vois vraiment, vraiment comme ça, moi. Ah, ces chiens, moi, j'ai un chien, j'ai un bulldog français. Et ces chiens-là, dès qu'ils voient mon chien, ils veulent l'attaquer. Ça... Comme ça, ils sont archi méchants avec mon chien. Je sais pas pourquoi, c'est pas que je les aime pas, mais ils sont méchants quand même. Je sais pas pourquoi, la plupart, 99%, ils sont méchants. Ils sont même plus méchants que les pitbulls, je pense. Enfin, je suis pas sûr, mais ils sont quand même énervés, tout le temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Sisma. Avant de partir, n'oublie pas de regarder les autres vidéos, de t'abonner, de liker. Et moi de mon côté, je te dis merci et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.